Coucou, bonjour, bonjour famille, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser un gommage à base de farine de riz. On va réaliser un gommage qui va nous nettoyer la peau, nous purifier la peau et qui va nous donner de l'éclat à la peau. Alors, pour commencer, on va utiliser la farine de riz. Voilà, mon sac il est cassé, du coup je l'ai mis dans un autre sac. Mais c'est la farine de riz, du sucre de canne, du miel, de l'huile de coco et d'huile essentielle de citron. Donc voilà, voilà les amis, notre recette est très simple à faire. Vous allez venir mettre 3 cuillères à soupe de farine de riz. Voilà, 3 cuillères à soupe. Vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. 2 grandes cuillères. Voilà. Une cuillère à soupe de miel. Dans laquelle vous allez rajouter 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Et ce gommage-là, ça va nous aider à clarifier la peau, à hydrater la peau. Bien, bien, bien hydrater la peau. Notre gommage, on ne va pas le faire trop liquide. On ne va pas le faire trop liquide pour pouvoir bien, bien, bien masser notre peau avec. Parce que quand c'est trop liquide, on n'arrive pas, les grains ne prennent pas bien. Du coup, quand on fait, ça tombe tout de suite. Mais on ne va pas le faire liquide. Et là, je vais rajouter une cuillère d'huile de coco. Voilà. Et vous allez venir ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Donc, voilà, voilà les amis, voilà notre gommage. Comme je vous ai dit, faites votre gommage assez souvent pour avoir de beaux résultats. Il ne suffit pas de mettre la crème, faites aussi les gommages. C'est très important dans une routine, les gommages. Donc, voilà. Et ce gommage-là, vous l'utilisez sur le visage et sur tout le corps. Sur le visage et sur tout le corps. Donc, voilà, voilà les amis, voilà mon gommage. Et ça, vous allez vous gommer la peau avec. Vous allez bien, 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 bien vous gommer la peau avec. Vous allez voir que quand vous allez finir ça là, ha, votre peau là, je ne sais pas comment ça va devenir. Une peau de bébé, ça va bien hydrater votre peau, bien enlever toutes les peaux mortes là. Vous-même, vous allez venir me dire. Donc, voilà mes cocos. Là, mon gommage, il est terminé, voilà. Et avant de faire ce gommage-là, il faut toujours humidifier la peau avant. Donc, voilà. Donc, les amis, on se revoit très, très bientôt. J'espère que vous avez aimé ma petite recette. N'hésitez pas à la tester parce que ça, c'est vraiment un bon gommage. Et on se revoit très, très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci, bye bye.